Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à Dubrovnik. Je m'appelle Vanessa et je serai votre guide pour la visite de la vieille ville de Dubrovnik. Notre chauffeur, c'est Monsieur Mario. Voilà. Comment allez-vous? Ça va? Vous allez bien? Vous avez bien mangé, bien dormi? D'accord, donc on est en pleine forme. Notre visite va durer. Je vais vous indiquer l'endroit où notre rendez-vous sera 5 minutes avant. Donc je serai sur la place Pilet à 12h10 et la République de Ragusa. Et donc après, le dernier sera le musée du monastère dominicain où vous allez voir les tableaux de l'époque Renaissance de Dubrovnik. Bon, maintenant nous passons par le quartier Gruj. Dubrovnik est une petite ville croate située à l'extrême sud du pays. Ici au sud, on est entouré par les frontières. 20 km derrière la colline qui domine la ville se trouve la frontière avec la Bosnie-Herzégovine et 40 km à l'est, ici c'est la frontière avec le Monténégro. Ce terrain est très étroit, très rocailleux. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de terre autour de Dubrovnik. Mais au passé, la République de Dubrovnik était vraiment très riche. C'est parce qu'il développait le commerce maritime. La ville compte 40 000 habitants. Et elle se compose de trois quartiers principaux. Maintenant, nous passons par le quartier Gruj, où vous pouvez voir ici, de ce côté-là, donc à gauche, le marché vert. Et donc, souvent, il y a beaucoup plus de monde les vendredis, parce que ici, nous sommes un pays catholique et le vendredi. Donc on sait, le vendredi on mange le poisson, n'est-ce pas? En face se trouve le quartier La Pade. La Pade est une belle presqu'île où il y a des hôtels et des plages. Vous pouvez voir la nouvelle marina de la ville juste en face. Et partout il y a beaucoup de petits quartiers résidentiels. Le plus beau quartier, c'est le quartier de la vieille ville qu'on va visiter ensemble. Depuis le port Gruj, où se trouve votre bateau, jusqu'à la vieille ville, il vous faut 40 minutes à pied. Mais donc il y a beaucoup de collines, il fait chaud, donc c'est mieux d'y aller en bus ou peut-être en taxi. Donc le trajet du port Gruj jusqu'à la vieille ville dure 15 minutes. Ça dépend du trafic sur la route. De la Méditerranée vers l'Atlantique parce que l'Amérique a été déjà découverte. Et regardez sur à droite, vous pouvez voir la tour Mincetta et les remparts de la vieille ville. Les remparts sont vraiment très massifs et très solides. La tour Mincetta a été construite au 15e siècle comme la protection contre les Turcs et elle est ronde pour amortir les coups de canon. Mais heureusement, il n'y avait pas de guerre parce que les Ragusins, à cette époque-là, ils étaient vraiment très riches et ils avaient une politique spéciale payée pour avoir la paix. Voilà. Austro-Hongrois, Dubrovnik faisait partie de la première Yougoslavie qui était un royaume et après la deuxième guerre mondiale, Dubrovnik faisait partie de la Yougoslavie de Tito qui était un pays communiste, une fédération composé de 6 républiques. Regardez, juste en face de nous, c'est l'office du téléphérique. Vous pouvez voir où les fils du téléphérique terminent, c'est l'office du téléphérique. Vous pouvez le prendre, la vue de l'eau est magnifique. Donc, comme j'ai dit, après la chute du mur, un autre transfert après celui-ci. Mais occupé.
Au moins, il y a un facteur enlevé pour lui et fermer la porte de la ville pour la bien profiter. Au-dessus de la porte, vous pouvez voir la statue de Saint-Blaise. Vous pouvez le reconnaître par ce On avance vers la cathédrale, donc il devrait arriver.
trouve l'arrêt de bus pour aller dans la vieille ville. Vous avez une station des taxis donc un peu plus loin, donc là-haut. C'est près de la vieille ville et juste en face de l'arrêt de bus, il y a une petite station des taxis. Je pense que le prix est entre 15 et 20 euros de la vieille ville jusqu'au port, mais vous pouvez diviser le prix par 4. Voilà. Vous allez choisir ce qui est le mieux pour vous. Ici, le sport le plus populaire, c'est le foot, mais à Dubrovnik, c'est waterpolo. Voilà. Avec un prêtre, parce que ce prêtre participait à l'éducation des enfants dans une famille noble. Voilà. De l'autre côté, c'est le marché vert, petit musée de l'histoire rouge, donc c'est la période du communisme. Cette construction moderne en face de nous, c'est le pont de Dubrovnik. Il a été construit en 2002 et il enjambe la... Nous sommes presque près de votre bateau. On va terminer notre visite par une phrase écrite par un écrivain irlandais, George Bernard Shaw. Il a écrit « Ceux qui cherchent un paradis sur terre doivent visiter Dubrovnik. » Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, donc la position géographique de la ville est idéale, la mer est proche. J'espère que vous êtes satisfait. Je vous souhaite un agréable retour pour demain et revenez encore une fois. Merci encore et bonne chance à tous. Voilà, merci à vous. Non, non, regardez, c'est le bâtiment du port tout droit et vous allez tourner à droite. Tous les terrains étaient impraticables pendant deux mois. Sauf la cataracte. J'ai donc eu j'ai passé les symptômes. Ils m'ont envoyé à l'hôpital d'urgence. Et puis après, il s'est avéré. J'ai discuté avec les touristes. Je peux pas le savoir. Comme les muscles n'étaient plus alors, ils ont gonflé. Vous avez déjà été opéré? Bah non. C'est en urgence aussi. À une époque, enfin. Bon lieu. Yes. Pas trop triste. Alors mesdames et messieurs, bienvenue au Salon Bar pour votre soirée de gala, cette soirée spéciale à bord d'un bateau de croisière. So ladies and gentlemen, welcome into the lounge bar for your gala evening, this special evening on board of a cruise ship. And I would like to call some persons very important on board. Maintenant mesdames et messieurs, j'aimerais bien appeler quelques personnes très importantes à bord. Et je vous demande un fort applaudissement et un applause to our captain Leo Stanich, notre gouvernante, our chief housekeeper, Arlene, notre maître d'hôtel, our restaurant manager, Ali, et notre chef, our chef, Alan. Thank you.
Votre mousse est sur place, hein? Ils ont mis un ruban, c'est pour qu'on puisse l'emmener à la maison. Oh, oui, c'est un cadeau. Ça rentre juste dans la valise. Bonne fin de repas, mesdames et messieurs. Enjoy your dessert. Allez, ils vont faire leur petite chanson. Happy anniversary. Sayo aminu rin. Sayo apunutan. Happy anniversary.